Jésus. Que le nom de notre Seigneur en cette année 2016 soit encore béni. Amen. Nous allons prendre un test ce matin ou deux tests qui vont vraiment nous arranger pour cette nouvelle année, qui vont vraiment nous aider pour tous ceux vraiment qui vont rester dans la compréhension de ce passage de ce matin. Voyons d'abord dans Proverbe 4, Proverbe chapitre 4. Verset 23. Rappelez-vous aussi que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se met pas de ta bouche. Amen. Amen. Que cette Bible aussi ne se met pas de vous. Il a dit c'est alors que tu vas réussir. Si Dieu dit que c'est comme cela que tu vas réussir, c'est qu'il n'y a pas autre moyen de réussir. Alléluia. Amen. Voilà. Quand Dieu parle, il faut écouter. Il y a des gens qui font avortement et puis se cachent. Il y a d'autres qui font adultère, impudicité et puis se cachent. Mais il y a des gens qui n'ont même pas la parole, mais eux aussi ne se cachent pas. Alors qu'eux aussi doivent se cacher. Alléluia. Parce que c'est la même chose. Regardons ce qui est écrit dans Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Allons encore dans Jean 14, verset 1. De l'autre côté, on nous dit, garde ton cœur, puisque toute autre chose. Et dans Jean 14, verset 1, on nous parle encore du même cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que Dieu bénisse ma reçue. Amen. Aujourd'hui ou ce matin, je vais parler simplement de la manière la plus simple pour que tu puisses comprendre tout ce que Jésus veut t'enseigner aujourd'hui. Voici deux tests que nous venons de lire. Il y a un dans Proverbe. Là-bas, c'est Salomon qui a parlé. Salomon, à qui Dieu a donné beaucoup de sagesse. Alléluia. Salomon aussi, à qui Dieu a donné beaucoup de richesses. Salomon, c'est quelqu'un qui a vu la vie là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu peux enseigner à Salomon qui ne connaît pas. Quand on dit le monde là, Salomon a fait le monde. Parce que jusqu'à avoir 1000 femmes, ce n'est pas petite affaire. Alléluia. Amen. Quand on dit quelqu'un a 1000 femmes, non, c'est petite affaire. Tu vas lui parler de quel maquis qu'il ne connaît pas. Tu vas lui parler de quelle boîte de nuit qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est quoi il va voir et ça va l'effrayer. C'est pourquoi à la fin de son test, il y a une parole qu'il a sortie de sa bouche. Il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Parce que l'argent, il a eu. La gloire, il a eu. Femme, il a eu. Enfant, on n'en parle pas. Maison. En fait, si même voiture existait au temps de Salomon, il allait aussi avoir la plus belle voiture du monde. Mais ce matin, Salomon te dit, l'homme est composé de plusieurs parties. On a plusieurs membres. Mais il y a un membre de ton cœur sur lequel il faut veiller plus que tous les autres membres de ton corps. C'est ton cœur. Alléluia. Amen. L'homme peut avoir problème d'yeux, il peut vivre. L'homme peut avoir maux de dents, il peut vivre. Mais quand on dit qu'il y a une maladie qui est liée à ton cœur, il faut faire vraiment attention. Parce que si ton cœur arrête de battre, tu es mort. Alléluia. Amen. Et dans Jean 14, Jésus encore répond à la parole. Et il dit que ton cœur ne se trouble pas. Parce que si ton cœur aussi est troublé là-bas dans Jean 14, c'est aussi la mort. Alléluia. Amen. C'est aussi la mort. Maintenant, Jésus va nous donner aussi un secret pour ne pas que notre cœur ça soit troublé. Jésus va te donner un message pour ne pas que ton cœur ça puisse balancer
parce que nous sommes sur la terre. Et l'ennemi est descendu animé d'une grande colère. Il n'est pas venu pour partager de l'argent. Il n'est pas venu pour partager la joie. Il est venu pour envoyer la maladie, les problèmes, la misère, le manque, la guerre. C'est ça le rôle de l'ennemi. Et il est venu sur la terre avec ça. Mais toi qui es sur la terre avec ce même ennemi-là, ton cœur va être en paix. Ton cœur ne peut pas être tranquille. Alléluia. On dit que quelqu'un vient pour te tuer. Non, dis-moi, toi t'assois, prends ma bite et puis manger du riz. Mais avec Jésus, il y a un secret ce matin. Pour ne pas que ton cœur balance, pour ne pas que ton cœur tremble, pour ne pas que ton cœur soit fâché, pour ne pas que ton cœur soit dans l'amertume, il y a un secret ce matin. Et le secret que Jésus a donné, c'est toujours dans le même Jean 14, verset 1. Quand il a fini de dire que votre cœur ne se trouve pas, il y a eu un point qui a été marqué. Après le point, qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis? Lisons ensemble. Croyez? Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. En fait, il aurait peut-être pu dire croyez en Dieu ou bien croyez en moi, puisque lui est plus le Père forme un. Mais comme sur la terre, il était sur la terre dans une position de fils. Alléluia. Sur la terre, Jésus a la position de fils, il n'a pas la position de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme un père qui enseigne son enfant. À l'école, l'enfant n'a pas le droit d'appeler ce dernier-là papa. Il doit l'appeler monsieur, comme tout le monde. Alléluia. À la maison, il n'a pas aussi le droit de l'appeler monsieur, il doit l'appeler papa. Mais est-ce que ça fait deux des personnes différentes? Non, c'est les mêmes personnes. Mais seulement que sur certaines bases, il y a des fonctions différentes. C'est comme cela Jésus avec son père. Sur la terre, Jésus lève toujours les regards en haut. Donc, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Est-ce que Jésus a dit ici là de croire en autre chose? Il n'a même pas dit de croire en moi qui suis devant vous. Il n'a pas aussi dit croyez en vous. Alléluia. Parce qu'il sait que vous, vous n'avez pas de force. Il n'a même pas regardé dans ta famille pour dire faut croire en ce monsieur-là. Il dit que ton cœur ne se trouve pas là. Il faut croire en Dieu et puis croire en moi. Point. Faut pas aller au-delà. Faut pas que vous allez changer ça. Si Jésus dit faut croire en lui, faut croire en lui seul. Faut pas prendre ton cœur pour mettre ailleurs. Quand l'homme est dans problème, quand l'homme est dans situation, il va partout. Et il fait tout. Alléluia. Alors que souvent, dans tout que tu fais là, il y a ton problème dedans et puis tu ne connais pas. Tellement tu es paniqué, tellement tu as peur, tellement tu es mélangé, tu oublies que, à part Jésus là, tu ne dois pas croire en autre chose. Tu vas chez le marabout, tu vas chez le féticheur, tu vas par ci, tu vas par là. Tu expliques ton problème à tout le monde. Alors que c'est écrit devant toi ici, crois en Dieu et puis crois en moi. Mais pourquoi tu prends ton cœur pour mettre l'autre côté là-bas? Pourquoi tu prends ton cœur pour donner à l'homme? Mais ton cœur va être toujours troublé. Ton cœur n'aura jamais la paix. Frères et sœurs, regardez 2016. 2016 là, certainement que ça sera 366 jours. Parce que 2015 était 365 jours. Mais si nous avons la même pensée en 2016, que la même pensée qu'on a eu en 2015, si nous avons la même façon de parler, si on a le même comportement, vous allez voir que de votre 2016 et puis votre 2015, il n'y aura pas de différence. Ce sont les mêmes mois. Ce sont les mêmes jours. Seulement que on doit changer notre façon de penser. C'est ça qui va changer notre 2016. On doit changer notre comportement. C'est ça qui va aider ton 2016. Sinon, tu vas te réveiller au soir de 2017 et tu vas te rendre compte que tu n'as rien vu encore en 2016. Mais c'est normal parce que tu as eu la même pensée. Même façon tu parles en 2015, c'est pas même chose tu parles en 2016. Qu'est-ce qui va changer? Rien. Voyez 2016 là comme des pages blanches sur lesquelles vous-même vous devez écrire. Dieu a créé l'homme. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé les animaux. Qui a donné nom aux animaux? C'est l'homme. Pourquoi Dieu lui n'a pas donné nom aux animaux? Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire à votre place. C'était le rôle de l'homme de donner des noms aux animaux.
Il y a des choses qui sont dans votre vie, c'est votre rôle, ce n'est pas le rôle de Dieu. 2016 là, c'est à chacun de prendre et puis d'écrire ce qu'il veut pour 2016. Comment tu dois penser en 2016? Comment tu dois parler en 2016? Tu écris. Comment tu dois te comporter en 2016? Tu écris. À qui tu dois donner ton cœur en 2016 là? Il faut écrire. Où tu dois mettre ton cœur? Il faut écrire. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que c'est de ton cœur que vient la vie. Les décisions là, ça quitte dans le cœur. Et quand une décision est mauvaise, vous connaissez le résultat. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut même pas croire au problème. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas avoir de problème. Non. Je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas croire au problème. Parce que le texte qu'elle a là, il n'a pas dit qu'il faut croire au problème. Il dit faut croire en Dieu. Si tu crois au problème, alléluia, ça veut dire que le problème là ne va jamais te quitter. Parce que ta foi que tu prends, merci au problème là, ça donne la force au problème. Quand ils sont venus dire à David que Goliath est en train de battre contre lui là, il est grand, hein? Il a 6 doigts, il a 6 orteils. Il tue les gens mal, hein? David ne croyait pas. Lui pour lui, il croit en Dieu. Oui. Si Goliath est grand, il a 6 doigts, il a 6 orteils, c'est pas son problème. Lui, il croit en Jésus. Il s'est arrêté devant Goliath. Effectivement, il a vu la taille de Goliath. Il a vu la forme de Goliath. Mais puisque David croyait en son Dieu, puisqu'en ce qu'il voyait là, il a vaincu Goliath. C'est à vous de donner un autre nom à votre situation. Avant que Jésus va dire à Lazare, sors du tombeau, il fallait que Jésus donne un autre nom à la situation. Ils sont venus dire que Lazare est malade. Il dit non, la maladie de Lazare là, ça ne va pas le conduire à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est un autre nom qu'il a donné à la situation. Il se rend compte devant le tombeau de Lazare. Tout le monde voit qu'il est mort, mais c'est Jésus, lui seul qui voit que Lazare dort. C'est un autre nom qu'il donne à la situation. C'est comme cela que tu dois donner un autre nom à tout ce qui est situation dans ta vie. À tout ce qui est problème dans ta vie. C'est l'homme qui a donné nom aux animaux. Je suis sûr que ce qu'on appelle maladie là, c'est Adam qui a donné ce nom là. Ce qu'on appelle misère, c'est Adam qui a donné ce nom. Ce qu'on appelle pauvreté, c'est Adam qui a donné ce nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom. Donc si Adam a donné ce nom, c'est que toi aussi, si tu as la main de Dieu sur toi, si tu as l'aide de Dieu avec toi, tu peux se donner un autre nom à ta situation. Amen. Tu regardes le problème. Alléluia. Amen. Tu vois que ça là, tout le monde appelle ça maladie. Maladie AVC, maladie palu, maladie cancer, maladie ceci, maladie cela. Tu prends ta révélation divine, tu dis toi aujourd'hui tu vas plus t'appeler maladie. Et pendant que tu fais ton traitement, tu te vois guéri. Parce que tu as donné un autre nom à la situation. Toi, tu es malade, je ne crois pas en toi. Moi, je crois en Jésus. Moi, je crois en ma guérison. Moi, je crois en mon bonheur. Je vous ai dit que personne ne va croire à votre place. Personne. La foi, là, c'est dans votre cœur. Même celui à qui tu vas expliquer ton problème, ils vont te dire à coup. Mais ils ne pourront pas savoir exactement ce que tu ressens dans ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, ne crois pas même en moi. En toi, mais il ne faut pas croire. Mais crois en Jésus. Amen. Et c'est Jésus lui qui va croire en toi. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Amen. Alléluia. Comme cela, ta foi sera plus forte. Sinon, si tu as partagé ton cœur entre Jésus avec tes problèmes, il faut savoir que tu seras toujours dans des situations difficiles. Ne partage plus ton cœur avec qui que ce soit. Ne partage pas ton cœur avec les problèmes. Ne partage pas ton cœur avec toutes les mauvaises situations que tu connais dans ta vie. Ne partage pas ton cœur avec tout ce que tu entends dehors. Prends ton cœur et il faut mettre ça dans la main de Jésus. Et 2016 là, il faut avancer maintenant. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Les gens qui vont trouver Jésus au paradis un jour pour dire qu'on était sur la table d'être découragé, là, Jésus va les chasser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va vous dire, est-ce que quand vous êtes sur la terre, je vous ai de croire en quelqu'un? Tu es découragé pourquoi? Si tu es de croire en moi, que moi, Jésus,
je suis encore fidèle. Tu es découragé, pourquoi? Il va te dire, mais de toutes les façons, je ne t'avais pas dit de croire en quelqu'un. Et j'ai écrit pour vous que ne mettez pas votre confiance en l'homme. Tu as fait quoi de ces versets? Puis tu viens me trouver ici pour me dire que non, j'étais sur la terre, j'étais découragé. Si tu n'arrives pas à dire ça, ça ne va t'amener à l'enfer directement. Votre modèle ce matin, c'est Jésus. Amen. Crois en lui. Arrête de croire en tes problèmes. Arrête de croire en ta situation bizarre où tu n'es pas marié ou bien où tu n'as pas l'argent. Il ne faut plus croire ça. Il faut donner un autre nom maintenant là, à la situation. Amen. Et il s'agira maintenant de parler. C'est pourquoi l'homme de Dieu vous a dit, quand vous prenez le sang de Jésus, ne partez pas vous asseoir dessus. Ne partez pas mettre ça au chevet de votre lit. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, avant même de parler du sang de Jésus, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu est venu trouver Caïn. Il lui a demandé, où est ton frère? Il lui a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit que le sang d'Abel que tu as versé là, ça crie, ça me parle, ça m'a appelé. Mais si le sang d'un simple homme peut parler, peut crier à Dieu, et puis Dieu va entendre, à plus forte raison, le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je n'en parle plus, je ne dis plus rien. Haut. C'est à vous de choisir où vous voulez mettre votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.